Bonjour, bienvenue aux expériences de paysage. Nous accueillons ce matin Hervé Brunon, qui est historien des jardins et du paysage. Tu as fait tes études d'abord en botanique, biologie, écologie. Ensuite, tu as élargi le champ des savoirs en littérature, philosophie, théâtre et paysage, puisque tu as eu un certificat à l'école du paysage, je ne sais plus en quelle année, mais voilà. En 93-94. Voilà. Donc tu as fait une thèse sur le jardin Petrolini et de nombreuses publications, je crois 300 publications en tout, avec de nombreuses collaborations, dont Monique Mosser qui est présente ce matin avec nous et qu'on salue. Là, on a un livre sur la table qui vous montre le genre de bouquin auquel tu as pu contribuer. Celui-ci, c'est sur les grottes. Ce matin, on a la chance d'avoir un peu une avant-première d'un nouvel ouvrage dont tu as la charge, qui est un ouvrage qui est petit, en fait. C'est le « Que sais-je » sur les jardins, sur l'histoire des jardins mondiaux, en fait. C'est un renouveau du « Que sais-je » après 70 ans, puisque c'est le dernier avait été écrit en 1954. Donc, cette charge que tu as, elle est assez énorme, c'est-à-dire de transmission de qu'est-ce que c'est que cette histoire des jardins, puisque c'est une science, et quelle est cette science, et qu'est-ce que tu vas transmettre dedans. Et donc, finalement, tu as changé le titre de ta conférence. Écrire une autre histoire des jardins, et c'est un petit peu ce que tu souhaites transmettre au sein de ce que sais-je. Ce que j'ai compris, c'est que habituellement on fait l'histoire des jardins de manière chronologique, comme on fait l'histoire de tout, et que toi tu as plutôt envie de faire une approche thématique. J'ai retenu le sauvage, l'eau et bien sûr le paysage, et on te remercie pour ce travail. Merci Béatrice. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un petit problème, il y a un chat dans la gorge, un petit peu enrhumé, donc j'espère que ça va. Vous allez bien entendre ce que je vais dire. Je suis très content d'être ici ce matin avec vous. C'est une belle occasion et je remercie la Fédération française de paysage de me donner ainsi la parole et de vous parler de ce travail en cours. Et comme le disait Béatrice, j'ai effectivement un petit peu changé mon fusil d'épaule. J'avais initialement intitulé la conférence « Écrire une histoire mondiale des jardins ». C'était un peu ambitieux. Et puis c'est pas exactement ce dont je voudrais vous parler, c'est plutôt une question d'écriture de l'histoire et d'histoire de l'histoire. Et donc je vous propose d'écrire une autre histoire des jardins. Et comme Béatrice vous l'a annoncé, en fait le point de départ c'est la nécessité, le désir de la part de Que sais-je, qui est aujourd'hui une maison d'édition indépendante, qui est rattachée à Humensis, c'est plus publié par les presses universitaires de France. Donc Que sais-je et son directeur, Julien Brocard, ont souhaité publier un nouveau volume sur les jardins, 70 ans quasiment après ce « Que sais-je » de Pierre Grimal, ce grand latiniste qui, donc en 1954, proposait un « Que sais-je » sur l'art des jardins. « Que sais-je » qui a été régulièrement réédité, traduit en italien notamment, et qui est aujourd'hui bien sûr indisponible, complètement épuisé. Rappelons que Pierre Grimal était un immense latiniste qui a très tôt travaillé sur le jardin, puisqu'il a consacré sa thèse, soutenue en 1943, au jardin romain, qui a été publié plusieurs fois. La dernière édition date de 1984. C'était un latiniste pur et dur, professeur à la Sorbonne, normalien, qui a travaillé sur Cicéron, qui a traduit les romans grecs, les romans latins, qui a eu une immense culture et qui a... On raconte cette anecdote, au moment de sa soutenance de thèse, lutter avec un jury qui lui reprochait d'avoir choisi un sujet frivole. Alors que tout l'objet de sa thèse, c'était de démontrer que le jardin était une clé de lecture complètement
fondamentale pour comprendre l'ensemble de la culture et de la société romaine, de la République et de l'Empire. Et ce que sais-je sur l'art des jardins reprend finalement cette idée que le jardin est une clé de lecture des civilisations, c'est le point de vue qu'il adopte. Il traite des jardins en Occident jusqu'aux Lumières, en incluant un chapitre final sur les jardins chinois et les jardins japonais, mais il s'arrête à la fin du XVIIIe siècle. Il passe sous silence le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Ce qui sera le cas à nouveau dans l'entrée jardin que Grimal consacre, au jardin dans l'Encyclopédia Universalis, 14 ans plus tard, en 1968, d'où je tire cette magnifique définition. Le jardin a l'ambition d'être une image du monde. Il fait servir à ses fins la lumière du ciel, la fraîcheur de l'eau, la fécondité de la terre, les végétaux et les hôtes des forêts et des campagnes. Il est une mise en ordre du monde. Un jardin commence dès l'instant où une volonté humaine impose une fin immédiatement sensible au, je cite, « objet naturel », c'est-à-dire à ce qui naît, croît et meurt selon les lois de la nature. Une statue emprunte à celle-ci sa matière et sa forme, le marbre ou le bois, et aussi le modèle qu'elle représente, animal, homme ou plante, elle n'en possède pas la vie. La matière du jardin, au contraire, est libre et sa spontanéité échappe aux lois de l'homme. Une définition qui reste en grande partie valable, qui est évidemment marquée par le classicisme de Pierre Grimal. On sent bien le reflet d'une sorte d'ontologie aristotélicienne qui oppose l'art et la nature. Mais cette idée que la spontanéité échappe aux lois de l'homme rattache le jardin au monde du sauvage, ce qui est une préoccupation très actuelle sur laquelle je conclurai tout à l'heure. Ce livre, cet article, donc, ouvre une interrogation sur le jardin qu'on peut, et ce sera le pendant que je lui donnerai dans cette introduction très brève, une autre définition un peu plus tardive, celle que propose la paysagiste Isabelle Horicoste, qui ne fait plus du jardin un art, qui fait du jardin quelque chose d'autre, à la dimension fortement anthropologique. Le jardin est l'une de ces formes qui transite à travers l'histoire, ce qui est bien notre propos ici, car il est littéralement une inscription aussi précise qu'un dessin magique que trace le travail du sol à la surface du globe terrestre, héritant de toute la tradition des corps à corps avec la terre rebelle pour l'amadouer, la féconder, la servir peut-être. Chaque jardin implanté et cultivé décrit les limites d'un territoire défini, d'un domaine réservé et clos dans lequel et par lequel l'esprit a réussi à comprendre et à dominer les lois de l'univers. Il y a des idées parallèles, bien sûr. Grimal parlait de mise en ordre du monde, ici les questions de domination des lois de l'univers. Mais peut-être que cette définition d'Isabelle Horicoste décale un petit peu le propos en insistant sur l'idée que c'est l'esprit qui réussit à comprendre, qu'il y ait une attitude peut-être moins dominatrice que dans l'approche que proposait Grimal. Alors je vais vous proposer quatre temps pour essayer d'expliquer ce que m'amène à explorer cette commande d'un que sais-je sur l'histoire des jardins aujourd'hui. Tout d'abord, la longue émergence d'une discipline scientifique. J'ai essayé de reprendre avec vous les étapes de l'histoire, de l'historiographie des jardins, depuis en gros le XIXe siècle et à travers le XXe et le XXIe siècle. Ensuite, un deuxième temps sur un point très fort et qui a une importance essentielle à mes yeux, qui sont les leçons de l'archéologie des jardins. Troisième temps, ce que j'ai appelé de l'adéquation entre forme et fonction, relire l'histoire des découvertes, donc les parties boisées du jardin. Et je prendrai un exemple dans l'Italie de la Renaissance, qui était le domaine d'investigation de mes premiers travaux. Et puis enfin, pour conclure, une ouverture vers une histoire environnementale des jardins. Alors, l'histoire des jardins, elle remonte au temps moderne. Elle s'esquisse au XVIIe siècle, à travers notamment les publications du père René Rapin,
au XVIIIe siècle en Angleterre, dans, chez les théoriciens de ce qu'on va appeler le jardin moderne. Et comme point de départ, il faut bien en choisir un, je prendrai le premier grand travail encyclopédique sur la question, qui est dû à un non-spécialiste, quelqu'un qui n'était pas destiné à travailler sur les jardins, qui est Arthur Mongin. Vous voyez ici son portrait par Nadar, né en 1824 et mort en 1887, qui va collaborer avec, avec l'éditeur, l'imprimeur Alfred Mam à Tours, et faire œuvre de polygraphe, comme on l'aurait dit à la Renaissance, ou de vulgarisateur, pour reprendre le terme du XIXe siècle, puisqu'il va travailler notamment sur toutes les grandes inventions de son temps, le télégraphe, l'électricité, les bateaux à vapeur, etc. Et on a notamment perçu que Mongin avait été un des points de passage, ses publications ont été une des sources qui ont nourri tout l'imaginaire de Jules Verne. Donc, Mongin décide en 67 de publier un travail systématique sur les jardins Histoire et Description, qui sera republié 20 ans plus tard sous le titre Histoire des jardins anciens et modernes. Voilà la couverture de cette deuxième édition. Et ce travail est extrêmement intéressant parce qu'il place d'emblée l'histoire des jardins dans un horizon déontologique et épistémologique. Je cite, je prends, vous pouvez lire ce très beau livre sur Gallica, c'est très facile. Donc je vais essayer de lire, je n'ai pas les bonnes lunettes. Je crois que je l'ai en... Oui, je l'ai ici. Cet extrait de la préface, page 6, « L'histoire des jardins a, comme tout autre, si je prends la partie centrale, sa philosophie, sa moralité. Elle se rattache par des liens étroits à l'histoire des arts, des sciences, des institutions civiles, politiques et religieuses, des mœurs, de la civilisation en un mot, et de plus, à l'ensemble des phénomènes inhérents au climat de chaque pays et à la nature de ses productions. C'est une définition, une vision extrêmement moderne et extrêmement actuelle, en fait. On va voir que cette idée de rattacher l'histoire des jardins à l'histoire de ce qu'on appelait à l'époque la civilisation, c'est un des fondements d'une des approches qui a émergé notamment dans les années 2000, qui est, je reviendrai là-dessus, l'histoire culturelle des jardins. Et cette idée que l'histoire des jardins, à partie liée avec la question du climat et la question de la nature des productions, comme le dit Mongin, est une sorte de prémonition, ou en tout cas de point de départ, vers quelque chose qui est très actuel, mais qui s'enracine dans l'épistémologie du XIXe siècle, qui est l'histoire de l'environnement. L'histoire environnementale, je terminerai là-dessus, mais il faut voir que l'histoire environnementale, qui s'est développée notamment aux États-Unis à partir des années 1970, à partir du moment où c'est affirmé une conscience écologique, l'histoire environnementale tire ses racines de la géographie historique de quelqu'un Humboldt, comme Alexandre de Humboldt, donc le grand savant de la première moitié du XIXe siècle, qui était un des inventeurs de ce qui va devenir la géographie biologique, la biologie géographique, et donc un des pères fondateurs de l'écologie. Alors le livre de Mongin se divise en quatre parties. Les jardins de l'Antiquité, les jardins du Moyen-Âge et de la Renaissance, dans lequel on trouve une section extrêmement intéressante, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais traité quasiment dans les histoires des jardins depuis, sur les jardins de l'ancienne Amérique, les jardins du Mexique, les jardins Inca. Ensuite, on notera qu'à contrario, rien n'est dit dans ce livre sur les jardins chinois et les jardins japonais. Un troisième livre sur les jardins français, les jardins anglais, qui couvre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Enfin, toute une partie sur les jardins de nos jours. Il y a une préoccupation très forte chez Mongin pour l'actualité et les jardins de son temps. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est tout l'appareil iconographique qui est dû à une équipe de graveurs. Et ces images, évidemment, renvoient sont datées et renvoient au contexte historique dans lequel travaille Mongin. Ici, les jardins suspendus de Babylone. Vous voyez cette touffeur de
l'imaginaire des origines de la Mésopotamie. On est au plus près des échos avec la peinture Troubadour dans cette image de François Ier et ses artistes à Fontainebleau. Le labyrinthe de Versailles est transposé dans une vision très, très pittoresque, une sorte de vitalisme dans ces images. Ici, le début du chapitre sur Marly, et donc cette vision très fantasmagorique du règne de Louis XIV, ou encore ici le chapitre sur les jardins anglais. Vous voyez, donc ces gravures véhiculent évidemment une vision du passé qui est inhérente à l'époque à laquelle Mangin écrit. Et en même temps, il y a une modernité très forte dans ce travail qui est publié en 1867, l'année de l'exposition universelle, l'année de l'inauguration du parc des Buttes-Chaumont à Paris. Et d'ailleurs, Mangin, dans sa préface, remercie Alphand de lui avoir prêté secours pour son travail historique. Et Mangin est totalement convaincu que ce jardin paysager typique de l'osmanisme, typique du travail d'Alphand, de Barrière des Champs, du jeune Édouard André, est le jardin de l'avenir. Le jardin paysager est-il le jardin de l'avenir? J'inclinerais à le croire. Et la raison en est que les règles auxquelles on l'a soumis n'ont rien d'immuable. On le comprend aujourd'hui autrement qu'il y a 60 ans. On le comprendra probablement dans quelques années auparavant, autrement qu'aujourd'hui, sans pour cela porter atteinte à son principe, qui est tout à fait en rapport avec le caractère indiscipliné des sociétés modernes, avec leur goût pour le changement, avec leurs aspirations progressives. Suit un autre travail très important, cette fois-ci d'un paysagiste, d'un spécialiste du jardin, d'un praticien, qui est Édouard André, dans son livre donc « L'art des jardins, traité général des parcs et jardins », publié en 1879. L'art des jardins, pour ce paysagiste très important sur lequel je renvoie aux travaux de Stéphanie de Courtois, qui a consacré une magnifique thèse à ce grand paysagiste, l'art des jardins, écrit Édouard André, est cette aimable manifestation de l'esprit humain qui a donc son histoire, qu'il importe de rappeler à grands traits avant d'examiner l'état des jardins dans notre société actuelle. Mangin avait bien précisé dans sa préface que son livre ne servait pas à fabriquer des jardins. C'était un livre purement historique. Ici, nous avons un livre d'un théoricien, un traité sur les jardins, qui comporte toute une première partie, qui représente à peu près un dixième du volume total, d'essais historiques. Et ce travail historique est là encore relié à la modernité, qui est pour Édouard André, ce qu'il va appeler, ce qu'il va théoriser comme le style mixte, c'est-à-dire l'heureux mélange, dit-il, du style régulier et du style irrégulier, tel qu'il le conçoit, par exemple, dans ce projet pour un jardin aux Pays-Bas, le Val d'Âme, donc avec un ensemble autour de du château qui reprend plutôt la tradition des jardins hollandais et des abords, des contours qui sont en revanche, plutôt irrégulier. Il faut se rappeler que Édouard André va avoir toute une activité didactique à l'école d'horticulture, où il enseigne de 1892 à 1901, et va enseigner l'histoire des jardins. Il y a toute une histoire de l'enseignement de l'histoire des jardins, sur lequel Stéphanie Courtois, je l'ai cité tout à l'heure, a travaillé récemment. Elle a publié un très bel article dans « Projet de paysage » l'an dernier. Et elle attire notre attention sur ces magnifiques planches didactiques qui servaient à l'enseignement d'Édouard André, qui ont été sauvées dans les réserves de l'école et qui sont aujourd'hui déposées aux archives départementales des Yvelines. On a là donc des sortes de supports visuels d'un enseignement destiné aux futurs ingénieurs horticoles. Évidemment, il n'est pas encore question de paysagiste. Vous savez que l'école d'horticulture n'aura une section sur le paysage qu'à partir de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale, avant de devenir autonome dans les années 70. Et donc ici, on voit les grands types de jardins qu'Édouard André mobilise dans son enseignement. La Villa Toscane de Pline le Jeune, donc l'exemple de jardin antique. Le jardin Renaissance français.
j'arrive pas à lire, je les confonds toujours, le parterre français du XVIIe siècle, ce sont des plans masses, colorés. Ermenonville, exemple de jardin pittoresque anglo-chinois de la fin du XVIIIe siècle en France. Un jardin public anglais et un jardin public français. Et donc, précise une série de liens entre l'historiographie des jardins et la création, le projet de jardin de la même époque. Avec, on l'avait vu chez Mongin une fois dans le fait que le jardin paysager sera l'avenir, et en réalité, les générations suivantes vont prendre une autre inflexion, puisque, vous le savez, je le rappelle, à la fin du XIXe siècle, à partir de l'époque victorienne en Angleterre, à partir en France de la défaite de 1870-71, vont s'affirmer des courants historicistes qui vont plonger leur regard dans les jardins du passé, dans les jardins réguliers du passé, en contrepoint avec les jardins irréguliers paysagers qui avaient dominé la commande et la création du XIXe siècle. On peut citer par exemple ce travail de Reginald Bloomfield en Grande-Bretagne, The Formal Garden in England, de 1892. On peut faire allusion au rôle d'intellectuels américains et anglais dans la redécouverte des jardins italiens de la Renaissance, comme Edith Wharton, qui publie en 1904 The Italian Villas in the Gardens. Et à la même époque, on voit comment un historien de l'art comme Bernard Berenson commande à un jeune paysagiste anglais, Cecil Pinsent, dans les années 1900, un jardin à l'italienne, la Villa Itati. Ici, quelques photographies anciennes et donc cette composition très inspirée par une certaine vision du jardin de la Renaissance, régulier, très formel, avec l'Utopia, bien sûr. Et en France, bien entendu, le culte de Lenôtre, érigé en génie national par un historien tel que Lucien Corpechaud dans les Jardins de l'Intelligence de 1912, modèle qui inspire, qui innerve totalement le travail d'un grand paysagiste comme Achille Duchesne, tel qu'on l'observe, par exemple, dans son travail à la fois de restauration, de restitution, mais aussi de création à part entière dans des jardins comme Courance. Salut, ici Valentine de Gagnac qui est avec nous. Donc, historicisme et, peu à peu, cristallisation d'un certain nombre de grands motifs, de grands modèles. On l'a vu déjà avec les planches didactiques d'Edouard André. Et on en a un reflet dans des productions populaires, comme ces vignettes Liebig de 1906, où vous voyez les différents types de jardins stéréotypes historiographiques qui vont correspondre à cette vision téléologique de l'histoire qui se cristallise, qui se sédimente dans ces années, dans ces dernières années du XIXe siècle et ces premières années du XXe siècle, avec un certain nombre d'équations. Jardin de la Renaissance égale jardin italien, jardin régulier classique égale jardin français, ou à la française, puisque c'est le terme qui va être utilisé par des théoriciens comme Lucien Corpechaud à propos de ces nouveaux jardins de l'intelligence, et jardin irrégulier, moderne, égale jardin anglais. Un certain nombre de stéréotypes qui sont déconstruits et repris par un travail véritablement scientifique, qui est celui de Marie-Louise Gottheim, cette Geschichte der Gartenkunst, Histoire de l'art des jardins, publié en 1914, traduit en anglais dès 1928 et traduit en italien il y a quelques années, en 2006, toujours inédit en français. Il faudrait s'atteler à la traduction de ce livre qui est un livre pionnier et fondamental dans l'historiographie des jardins. Marie-Louise Gottheim avait été formée à l'histoire de l'art et elle s'était spécialisée dans l'étude de la poésie anglaise. Et elle va donc s'atteler à ce travail monumental, en publiant deux tomes, qui est fondé sur l'étude rigoureuse de documents. Et on voit comment l'histoire des jardins devient progressivement
avec de telles contributions, une discipline scientifique qui s'appuie sur les acquis et les leçons de l'histoire proprement dite. Ce sera le cas avec l'œuvre d'une historienne qui reste à redécouvrir, qui est Marguerite Charaja, qui publie deux fois un Art des Jardins, l'Art des Jardins, un premier en 1930 chez Hachette, et un deuxième en 1962 aux Presses universitaires de France. Et Marguerite Charaja était au départ une spécialiste de Versailles. Elle avait soutenu sa thèse en 1931 je cite, c'était un essai sur la décoration sculpturale des parcs avant Versailles. Elle travaillait sur le XVIIe siècle. Elle a été diplômée de l'école du Louvre et elle va acquérir une double spécialité, les sculptures du Moyen-Âge au temps moderne, ce qui sera son terrain d'exploration en tant que conservateur au musée du Louvre de 1942 à 1959, et en même temps l'art des jardins. Et elle va donc, dans ces deux ouvrages, que j'ai pas le temps ici de détailler, apporter un regard très scrupuleux, très précis, dans la lignée du grand travail de Gottheim, sur l'évolution des jardins. On voit donc comment, peu à peu, s'élabore une approche qu'on peut qualifier de scientifique de l'histoire des jardins au cours du XXe siècle. 1914, donc, Geschichte der Gartenkunst de Marie-Louise Gottheim. En 1971, le premier colloque annuel de Dumbarton Oaks à Washington. Dumbarton Oaks est un centre de recherche qui travaille sur l'ancienne Byzance, le monde précolombien et les Garden and Landscape Studies. Et chaque année est organisé un colloque. Je vais y faire allusion dans un instant. On peut voir à travers l'évolution des colloques comment l'histoire des jardins va peu à peu renouveler ses questionnements. En 1981, il faut rappeler la rédaction de la Charte de Florence, qui sera adoptée en 1982, et qui définit, comme vous le savez, le jardin en tant que monument vivant. Et en 1990, paraît, fruit de l'élan apporté par la Charte de Florence et d'une résultat d'un travail d'équipe considérable des chaînes internationales, une grande synthèse sur l'Occident de la Renaissance à nos jours. Monique est ici présente, elle pourra vous en parler si vous le voulez. Donc ce travail magnifique dirigé avec Georges Tessot, L'architettura dei giardini d'Occidente, en 1990, chez Electa, publié l'année suivante chez Flammarion, Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours, et réédité en 2002, avec une édition américaine, The Architecture of Western Gardens, en 1991, une édition anglaise, The History of Garden Design, et une édition allemande, Die Gartenkunst des Abendlandes, donc l'art des jardins d'Occident, mot à mot, en 1993. On voit ainsi peu à peu s'institutionnaliser une discipline. Et les marqueurs, notamment d'une discipline dans le monde scientifique, ce sont les supports aux résultats des recherches, c'est-à-dire les revues spécialisées et les séries, les collections éditoriales qui permettent d'avoir des volumes avec une politique éditoriale, un comité de lecture éventuellement. Ce sont évidemment, avec l'évaluation par les pairs, ce sont les critères contemporains de scientificité des travaux. Et donc quelques repères, la série des colloquia de Dumbarton Oaks On the History of Landscape Architecture, à partir de 1972. Alors, petit glissement ici, vous voyez que l'histoire des jardins va céder la place à l'histoire de la Landscape Architecture, de l'architecture du paysage. On va voir toute une série de signes de ce glissement. La revue anglaise Garden History, à partir de 1972, la même année. Le Journal of Garden History, en 1980, qui, en 1998, devient, et c'est là aussi significatif, Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes. La série dirigée par le même rédacteur en chef que la revue américaine John Dixon Hunt, des Penn Studies in Landscape Architecture, à partir de 1998 également. La revue allemande Die Gartenkunst,
qui publie deux numéros par an à partir de 1989. Alors, on a donc trois revues internationales. Garden History, la revue anglaise qui traite surtout des jardins occidentaux. Studies in the History of Garden Design, of Gardens and Design Landscape, qui a une ambition internationale de traiter tous les jardins et tous les paysages designed. Je vais revenir sur cette question du design à travers les époques. Et Die Gartenkunst, qui reprend un peu la même ambition, avec notamment une importance accordée aux travaux sur le terrain, aux travaux documentaires également. Il faut mentionner une revue suisse, la Topiaria Helvetica, à partir de 2001. Une collection italienne extrêmement importante qui s'appelle Giardini e Paesaggio, Jardin et Paysages, publiée par l'éditeur, le grand éditeur Hoschki à Florence, depuis 2000. Et rappeler l'aventure malheureusement interrompue de la revue française Polia, revue de l'art des jardins, entre 2004 et 2008. Alors, si on regarde les colloques de Martin Hawkes, je ne sais pas tous les passer en revue, ils sont facilement, vous pouvez facilement avoir vision de l'ensemble sur le site de Martin Hawkes. On voit comment on passe progressivement dans les années 70-80 à des colloques plutôt monographiques qui sont consacrés à une ère culturelle ou chronologique. Exemple, Ancient Roman Villa Gardens, édité par Elizabeth Blair McDougall en 1981, à des approches plus transversales, plus conceptuelles, plus thématiques, comme The Vernacular Garden en 1993, le jardin vernaculaire. On sent là l'influence de la géographie culturelle et des travaux d'un grand spécialiste tel que John Breckenhoff Jackson, qui a théorisé le paysage vernaculaire. Donc on voit comment ce concept se décale sur les jardins. Et puis, donc, dans les années 2000, j'ai choisi deux volumes qui me semblent représentatifs, Technology and the Garden, donc les rapports entre technologie et les jardins, et plus récemment, 2017, Sound and Scent in the Garden, son et senteur dans le jardin. Cette recherche américaine, mais les collègues de Martin Hawkes sont internationaux, elle débouche sur un grand travail de synthèse qu'il faut mentionner ici, qui va m'arrêter pendant quelques instants, qui est ce livre d'Elizabeth Barlow Rogers, Landscape Design, A Cultural and Architectural History. Alors déjà, ce n'est pas simplement l'histoire des jardins, c'est l'histoire du landscape design, qui est, à mon avis, intraduisible en français, ou c'est projet de paysage, il faudrait traduire, mais le design, évidemment, c'est... Ou alors, il faudrait reprendre le vieux terme de dessin, E-I-N ou I-N, du XVIIe siècle. C'est plus que simplement l'étude des jardins, il est question de l'aménagement des paysages au sens fort du terme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette... Alors, c'est tout à fait significatif, ce glissement, encore une fois, outre-Atlantique. Il est significatif et représentatif de l'émergence de ce qu'on va appeler les landscape, cultural landscape studies. Il y a des départements dans certaines universités qui vont s'intituler ainsi. Et le travail d'Elizabeth Barlow Rogers se veut donc une histoire architecturale, mais une histoire aussi culturelle. Et chaque chapitre est précédé par une sorte de grande synthèse sur ce qu'on pourrait appeler le Zeitgeist, l'esprit du temps, de chaque moment culturel. Elle part de l'Antiquité, elle va jusqu'à l'époque contemporaine, et à peu près la moitié du livre est consacrée au 19e ou au 20e siècle. On voit comment, par rapport à un livre comme Grimal, en 54, se déplace le regard vers la modernité, et vers l'exploration du 19e et surtout du 20e et du 20e siècle, ça se termine au 20e siècle, donc en 2001. Et chaque période est donc caractérisée par une sorte de vision synthétique, de système de valeurs, de représentation, de vision du monde. C'est une synthèse de la Weltanschauung. Je prends des termes allemands à dessein, puisque on est là dans la question d'une certaine écriture de l'histoire, d'une certaine narration qui est diachronique et qui renvoie, selon moi, à des grands questionnements de l'historiographie sur lesquels je renvoie à ces deux grands classiques qui sont le livre de Paul Venn, ce grand latiniste contemporain,
qui s'appelle « Comment on écrit l'histoire », publié pour la première fois en 1971, ou le travail d'un immense intellectuel tel que Michel de Certeau, « L'écriture de l'histoire » en 1975. Deux livres qui attirent l'attention sur le fait que l'histoire est un processus d'écriture, un processus de récit. Il est question, comme le dit Paul Venn, s'inspirant notamment de la poétique d'Aristote, de mise en intrigue. Chaque récit historique agence des acteurs, agence des épisodes, agence des ruptures. Et donc, la composition et la disposition, comme on dirait dans la rhétorique classique, d'un travail historique va produire une certaine lecture du passé. Et ce que propose un livre comme celui de Barnard Rogers, Landscape Design, c'est une histoire culturelle. Mais l'histoire culturelle, nous enseignent les historiens, je veux pour preuve le travail d'un grand historien de l'art comme Ernst Combrich, En quête d'histoire culturelle, qui est une conférence publiée en 1967, un peu confidentielle en français, parce qu'elle a été publiée par Gérard Montfort, qui n'est pas forcément un éditeur très diffusé. Les travaux de Peter Burke, comme Varieties of Cultural History en 1997, ou encore la magnifique synthèse de Philippe Poirier en 2004, Les enjeux de l'histoire culturelle. Travaux qui montrent combien, pour reprendre l'argument de Gombrich, l'histoire culturelle ne doit pas être tombée dans le piège de la philosophie de l'histoire à la Hegel, qui voudrait que tout s'agence, tout soit articulé. Comme le dit Gombrich, c'est une chose d'appréhender, je cite, les faits dans les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres, mais c'en est une autre de postuler que tous les aspects d'une culture peuvent être ramenés à une seule cause fondamentale dont ils sont les manifestations. Et l'écueil majeur de la pratique d'une histoire culturelle réside dans le fait, je cite à nouveau, qu'il est impossible de rendre compte d'une culture dans sa totalité, en même temps qu'il est impossible d'en comprendre les différents éléments de manière isolée. Il y a donc une sorte de jeu d'équilibriste de la part de l'historien de la culture. Et Barnard Rogers, dans son travail sur le landscape design, évidemment, a du mal à faire ressortir les subtilités, les conflits, les divergences, les cohabitations entre plusieurs représentations, quand elle cherche à chaque fois à ramener le landscape design dans une époque et une société donnée à une certaine vision du monde. Écrire l'histoire, comme le dit André Chastel, c'est, selon le mot de Paul Venn, il le cite, composer un scénario et y faire passer un choix de référence bien établi. Cet écueil, il est en partie celui qu'a essayé d'affronter un travail plus récent, qui est cette monumentale série « A Cultural History of Gardens » publiée en 2013 en 6 volumes. Le découpage est extrêmement intéressant. Un premier volume sur l'Antiquité, de 600 avant Jésus-Christ à 600 après Jésus-Christ. Le Moyen-Âge, de 600 à 1400. La Renaissance, de 1400 à 1700. Donc le XVIIe siècle est inclus dans la Renaissance. C'est le early modern au sens américain. Les Lumières, de 1700 à 1800. L'âge de l'Empire, des Empires, 1800-1900, enfin l'âge moderne, 1900-21e siècle. Et chaque volume qui est confié à un éditeur, à un directeur différent, est divisé selon les mêmes chapitres. Un, design, donc composition, conception, projet. Deux, types of gardens, la typologie. Trois, planting, le végétal. Quatre, use and reception, ça c'est extrêmement caractéristique de l'approche américaine qui s'est développée depuis les années 2000, la réception, les pratiques. Cinquièmement, visual representations. Sixième, verbal representations. Septième, meaning. Il y a un effort d'interprétation, il y a une iconologie des jardins qui est entreprise. Enfin, gardens and the larger landscape. Donc avec toujours cette attention aux interrelations entre conception des jardins et travail sur le grand paysage. Et puis, parmi les contributions les plus récentes en France, je citerai l'histoire des jardins de Philippe Prévost, publié en 2016 chez Ulmer,
qui propose une présentation synthétique des grands moments dits classiques du jardin, l'Antiquité, les jardins islamiques, la Chine et le Japon, les jardins italiens, français, anglais, et avec une attention assez forte sur la modernité et le monde contemporain. On voit donc comment, dans un tel travail, se pèsent encore les modèles historiographiques hérités du XIXe siècle, qui découpent l'histoire en fonction d'aires chronologiques, qui sont aussi des aires géographiques. À partir de là, mon point de vue, qui dérive de travaux antérieurs, c'est d'essayer de passer d'une théologie stylistique, l'histoire des jardins restant longtemps inféodée à l'histoire de l'art et à son approche des courants formels, à une approche thématique, holistique, globale, générale, au sens de Michel Foucault, et ce que j'appelle de ce terme polychronique, néologique, qui laisse entendre qu'il ne s'agit pas simplement de tirer un seul fil diachronique, mais plutôt de partir sur un faisceau de thèmes qui à chaque fois déroule une diachronie avec une rythmique et une géographie différentes. Ce qui est le type d'approche que j'ai essayé de mettre en œuvre dans ce livre de 2014 qui s'appelait « Jardin de sagesse en Occident » avec quatre chapitres qui s'appelaient donc « Se retirer ». J'arrive plus à le lire, j'ai plus de souvenirs. Mais « Cheminer »,« Contempler »,« Prendre soin », voilà. Et ce qui est aussi l'approche qu'avec Monique Mosser, nous avons essayé de déployer dans ce livre que Béatrice citait tout à l'heure, qui est là, donc « L'imaginaire des grottes dans les jardins européens », où pour essayer de faire le point et de proposer une vision d'ensemble d'un patrimoine considérable à l'échelle européenne, il nous a semblé préférable, plutôt que d'aborder les choses d'un point de vue chronologique et géographique, de tenter une approche systématique, une approche thématique qui répond à une sorte d'idéal qui est celui de double idéal, qui est celui de la poétique telle qu'elle est entreprise notamment par un critique et un philosophe comme Bachelard avec son travail sur les quatre éléments, et ce qui va donner certaines des clés que nous avons essayé de mettre en œuvre comme le tellurique, l'aquatique, le diluvien, donc une poétique et en même temps une taxonomie. Nous avons essayé de comprendre manière de travailler issue de la biologie, issue des sciences naturelles, une typologie qui essaie de classer les grottes par famille, par affinité, en déroulant des parallèles, des comparaisons, une histoire donc générale, telle que, pour le citer à nouveau, Michel Foucault, l'appel de ses voeux dans l'archéologie du savoir. Alors, cette archéologie, justement, au sens premier du terme, ce sera ma deuxième partie, je vais être beaucoup plus rapide, elle nous donne des enseignements absolument fondamentaux pour revisiter l'histoire des jardins et avoir une conscience plus forte de certains enjeux qui ne se sont fait jour que dans les années 1990. Sur cette question, on dispose de synthèses récentes, ou qui ont une dizaine d'années, comme ce Sourcebook for Garden Archaeology, édité par une chercheuse franco-algérienne qui s'appelle Amina Alcha Malek, qui travaille dans un laboratoire de l'École normale supérieure. Et je rappellerai quelques étapes, très rapidement. La naissance de cette archéologie dans les années 1930, avec par exemple les fouilles du temple d'Héphaïstos à Athènes, qui sont des fouilles donc très classiques, qui cherchent des structures dures et qui vont mettre en évidence la présence de pots de plantation au droit des colonnes. Ici, vous avez la coupe et le plan dans le livre de Pierre Bonnechère et Odile de Bruyne, L'art et l'âme des jardins de 1998, qui est une grande histoire des jardins, très intéressante pour sa contribution sur l'Antiquité, très riche. Puis vont apparaître des techniques plus modernes, comme celles mises en œuvre par Wilhelmina Jaschensky à Pompéi, Bosco Real et au Plantis, dans les années 1960, notamment le coulage de plâtre pour essayer de fossiliser la forme des racines
à partir desquels on peut identifier les espèces qui, et évidemment la position des plantes dans les jardins. Donc évidemment, tout le problème de l'archéologie des jardins, c'est de restituer des matériaux qui sont éphémères, non pérennes et non conservés en général dans les sédiments. Et puis, on va avoir des approches qui sont liées davantage à l'archéologie du paysage et à son emploi, notamment de la photographie aérienne. J'en veux pour preuve le très beau livre de Oliver Crichton, Designs upon the Land, qui est donc consacré au landscape design au Moyen-Âge, basé notamment sur la tradition de l'archéologie du paysage anglaise, comme le livre de Hoskins, The Making of the English Landscape, qui datait de 1954. Et donc, ce livre sur le landscape design au Moyen-Âge attire l'attention sur les grandes structures territoriales qui sont observables sur le terrain, à partir de la toponymie, à partir de restes in situ. Ces grands ensembles, le plus connu étant évidemment le parc d'Edin au XIVe siècle, qui couvrait des surfaces considérables, parfois des centaines d'hectares, et supposait un travail sur l'échelle très vaste du grand paysage, et ce qui rompt complètement avec notre vision stéréotypée du jardin médiéval comme hortus conclusus, telle qu'elle a été construite par l'historiographie, à partir notamment des miniatures qui sont de représentations symboliques. Celle-ci est une des plus célèbres, cette image, cette miniature française du roman de la Rose. Donc ce jardin clos sur lui-même, un peu autiste, ignorant des alentours, alors qu'en réalité, il faut plutôt avoir ce type d'image en tête, si on veut avoir des représentations de l'époque en point de comparaison, c'est-à-dire la question du parc de chasse, tels qu'ils se sont développés dans toute l'Europe au Moyen-Âge, tels qu'ils sont visibles encore aujourd'hui, par exemple en Sicile, à Palerme, dans le magnifique lieu qui s'appelle Mare Dolce ou la Favara, qui est donc un ensemble considérable en limite d'un quartier, le quartier Brancaccio, qui est un des quartiers les plus mafieux de Palerme. Et donc un ensemble qui correspond à un solazzo, une résidence de Roger de Sicile, des rois normands, héritant des savoir-faire islamiques sur l'hydraulique, puisque l'ensemble du jardin, du parc, c'est un parc en fait, était composé d'un grand bassin avec une île artificielle, dont les vestiges sont encore en partie lisibles sur le terrain, et une tradition qu'on va retrouver donc en France, avec Edin, en Angleterre, partout en Europe, ou encore en Italie, jusque dans cet exemple extrêmement important, qui est le Barco Visconti. Barco, c'est le mot italien qui sert à désigner les parcs. Donc, archéologie du paysage, revisitant les typologies du jardin, et archéologie environnementale, telle qu'elle a été développée à partir de 1993 par les fouilles d'Anne Alimont, à partir d'un exemple extrêmement important qui est l'abbatie d'Urfé dans la Loire. C'est un château que j'ai fréquenté dès le plus jeune âge parce que je suis originaire de cette région. Et un château qui est très connu par sa grotte au rez-de-chaussée, mais qui présente un jardin qui a été fouillé par Anne Alimont et à partir duquel elle a montré qu'il s'agissait d'un véritable système hydrogéologique, puisque tout le terrain a été décapé jusqu'à une couche d'argile qui a été mise en forme pour que la nappe phréatique, l'eau, s'écoule jusqu'au niveau des douves et rejoigne la rivière, l'Ignon. Autre jardin d'eau qui a été fouillé par un aliment, je prendrai que ces deux exemples, c'est le cas de Valry dans l'Yonne, qui avait d'abord été fouillé par Brian Dix en 96-97. Un aliment a repris les fouilles et ça a donné lieu ensuite à une étude par Françoise Boudon, ingénieur au Centre André-Chastel, par une collaboration avec Jean Blécon, qui était un architecte, qui, leur travail a consisté à reprendre les fameuses vues d'Androuet du Cerceau, qui montrent ce jardin, en tout cas le projet idéalisé du jardin,
et de reprendre ces vues en les rapportant au plan topographique, avec les courbes de niveau. Donc, s'intéresser au jardin en tant que quantité matérielle. Et voilà, donc les plans, le plan ici du cerceau, quelques images, donc il y a une digue chaussée. Et en fait, ce jardin est un jardin qui a été aménagé dans le creux de la rivière, dans le lit de la rivière. C'est une opération hydrogéologique extrêmement subtile. Certains des murs sont, ont des fondations perméables et donc laissent passer la nappe phréatique. D'autres murs ont des fondations imperméables. Il y a une gestion des écoulements d'eau, qu'il y a toute une gestion à l'échelle territoriale de l'eau avec des moulins, des biefs, etc. Gestion qui a été perdue à un moment donné. Et la conclusion du travail d'Anne Liman, c'est qu'on ne peut pas restaurer le jardin tel qu'il est montré par Ducerceau, puisque tout l'ensemble hydrogéologique au niveau du bassin versant a été perturbé au cours des siècles. Voilà donc ce schéma, j'aurais dû le montrer plus tôt, de ces différents régulations hydrauliques. Je citerai donc un peu quelques conclusions de cet apport de l'archéologie tel qu'Anne Liman les a résumées il y a une dizaine d'années. L'application de ces protocoles dans le cadre des fouilles archéologiques des jardins historiques s'est révélée très rapidement un véritable atout pour comprendre la technicité de ces lieux si particuliers et a permis d'ouvrir des champs de recherche jusqu'alors inexplorés. Les résultats obtenus grâce à l'application de cette vision élargie environnementale de l'archéologie ont en effet littéralement changé le regard porté sur les jardins, jusqu'alors considérés par essence comme éphémères. Au travers de ces nouvelles découvertes, le jardin se dévoile inversement comme une structure fondée. Une architecture de terre et d'eau, dotée d'aménagements complexes, pensée et conçue en fonction du terrain qu'elle occupe. Et ça, ce n'est pas à des paysagistes que je vais l'apprendre. En cela, l'identification du jardin en tant que quantité technique, résultante d'un projet d'une mise en œuvre spécifique, représente une avancée considérable dans notre connaissance des savoirs anciens d'aménagement du territoire. Et elle poursuit, cette connexion intime entre terrain, territoire, technique et histoire n'était pas forcément plus reconnue du côté de l'histoire moderne avant les années 1990. Avec en toile de fond une question récurrente, l'archéologie pouvait-elle venir en toute impunité piétiner les plates-bandes des historiens ou historiens de l'art? Certains, comme Paul Benoît, Françoise Boudon, je citais, ou Monique Mosser, en contribuant à la reconnaissance de l'histoire technique et scientifique des jardins, ont heureusement apporté la dimension nécessaire au sein de laquelle archéologie et histoire peuvent désormais, intellectuellement, se côtoyer sans heurts. Et elle conclut, dans un autre texte, dans un livre très important sur André Lenôtre, publié par, dirigé par Georges Farat en 2006, qui sont les actes d'un colloque de 2000, au moment du tricentenaire de la naissance de Lenôtre, ces lieux s'avèrent adaptés au biopotentiel des milieux qui les accueillent, fondés dans les différents terroirs qu'ils occupent. J'en viens à ma troisième partie, qui va être un peu plus concrète, que j'ai intitulé « De l'adéquation entre forme et fonction ». Si il est nécessaire aujourd'hui, comme l'historiographie américaine notamment nous l'a enseigné, de prêter attention aux pratiques sociales, à la « social reception », comme le dit John Dixon Hunt, il faut s'intéresser au jardin à nouveau comme monument vivant, tel que le conçoit la Charte de Florence. Et on peut essayer de prendre cette métaphore au pied de la lettre en considérant le jardin comme une sorte d'organisme, d'organisme vivant, comme nous l'invite à le faire l'archéologie. Et à ce moment-là, il y a une question fondamentale en biologie, c'est le rapport entre forme et fonction. Je vais prendre un exemple pour vous montrer à quel point, en déplaçant la focale vers ce type d'interrogation, on redécouvre des réalités anciennes. C'est la question de la chasse, qui a été l'objet d'un colloque en 2007, chasse princière dans l'Europe de la Renaissance, je m'en tiendrai à la Renaissance, et la question des ragnaie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type d'aménagement. Une ragnaia, d'après un traité de Giovanni Antonio Popoles, qui est la fin du XVIe siècle, un manuscrit, c'est ce type d'aménagement. Ce sont des massifs boisés, plantés en parallélépèdes, séparés par des allées, et certaines accueillant des petits cours d'eau, qui servent à la chasse aux oiseaux. On tend sur les bords des filets, qui s'appellent les ragni, ragno, c'est la toile d'araignée en italien, des filets qui coûtaient très cher, ils sont mentionnés dans les inventaires après décès,
Et ensuite, on claquait des mains, on sifflait en fonction des types d'oiseaux. Les oiseaux qui nichaient à l'intérieur, ce sont notamment des becfigs, vont vouloir s'échapper. On met un épervier au-dessus pour qu'il fasse peur aux oiseaux. Et les oiseaux ne vont pas s'échapper verticalement, mais vont s'échapper latéralement. Et ils sont pris dans les filets. Et c'était un passe-temps extrêmement goûté par des familles princières comme les Médicis à Florence. Une autre forme, c'est l'uccellare, ou boschetto da tordi, bosquet à grive. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement de ce type de ménagement. Et donc, les historiens italiens, comme Maria Chiara Pozzana, Giorgio Galletti, ont montré dans les années 1790 que ce type de structure était fondamental pour lire la morphologie du jardin italien du 15e, 16e et 17e, même 18e siècle. On a quelques exemples très rares conservés, puisque ce type de structure, en général, a disparu au XIXe siècle. Un exemple, c'est celle de la Villa Le Montalve à la Cugliette, près de Florence. Donc, vous voyez comment se dispose ce type de massif boisé, et cette haie mixte, parfaitement taillée, avec les allées intérieures. Et une fois qu'on a ce type de structure en tête, qui est donc complètement une résultante d'une pratique, d'un but synergétique, d'une certaine fonction, la forme dérive de la fonction et la fonction crée la forme, comme en biologie, eh bien on peut les lire partout sur les documents. Exemple, Pratolino, vous avez une immense ragnaia, c'est la vue d'Outens, hein, je ne présente pas ce jardin très important créé par Buontalenti pour François Ier Médicis, la ragnaia, la voici, et en fait, quand on s'intéresse à la cartographie du XVIIIe siècle, on voit que le jardin est ici, la partie représentée par Outen, c'est ça. Donc là, on est vraiment à l'échelle du territoire. Là, voilà la ragnaia, ici. Et il y en a encore une autre, ici. Et cet ensemble fait partie c'est comme des poupées russes, d'une délimitation territoriale encore plus importante qui s'appelle une bandita, sur laquelle le droit de chasse est exclusivement réservé au grand-duc de Toscane. Autre villa médicéenne, Poggio a Caiano, villa créée par Laurent le Magnifique à la fin du XVe siècle. Voilà, à la fin du XVIe siècle, l'image idéalisée qu'on donne de Outens dans ces fameuses lunettes qui sont aujourd'hui à la Villa La Petraia à Florence, où on a donc ici vous avez le détail, un uccellatoio, un bosquet à grive, et ici, le long de la rivière, une ragnaia, le jardin ici est ici, donc la ragnaia elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, là on a un barco, un petit parc de chasse, vous avez tous ces terrains agricoles qui est une sorte de ferme modèle avec notamment la riziculture, fondée sur un drainage très savant du sol, et ici vous avez une autre ragnaia, et quand on fait la confrontation entre ces cartographies du XVIIIe siècle très précises et les inventaires après décès des grands ducs du XVIe siècle, deux siècles avant, on voit que la ragnaia est pratiquement conservée, elle traverse les siècles, elle fait à peu près 8 hectares, ce qui est évidemment considérable, et elle est encore visible en partie sur le terrain, et elle fait partie de cet ensemble territorial à nouveau qui sont les bandités autour de Florence. Autre exemple, Castello, jardin créé par Côme Ier Médicis dans les années 1530. On a un uccellatoio ici, autour d'une fontaine monumentale. Et puis, quand on prend les cartes du XVIIIe siècle, les cartes de la fattoria, du domaine, on voit ici une structure pour la chasse aux oiseaux. Ici, je ne les détaille pas toutes, une ragnaia. Enfin, Boboli, jardin créé à partir de 1550 par Tribolo, le même concepteur que Castello. On voit ici ce qu'on appelle un selvatico, un couvert qui est ordonné avec la répartition de plusieurs essences forestières, ce sont des théâtres de la nature. Et sur les côtés, une ragnaia, tandis que au bord droit, sur la droite de la ville d'Outens, donc plutôt au sud, se situe un uccellatoio.
Et j'ai monté ces deux détails de la vie d'Outhens pour vous montrer à quel point, autre élément intéressant quand on raisonne en termes d'adéquation entre forme et fonction, la morphologie du jardin du XVIe siècle, qui est un jardin productif dans lequel il y a des vergers, qui est une dimension de verger, dans lequel il y a des vignes, il y a des arbres fruitiers, est analogue, est une sorte de réduction du paysage agraire tel qu'il se déploie au-delà des murs. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de solution de continuité entre les deux. Il y a une clôture, certes, mais les deux sont conçus sur le même principe qui est, en gros, ce qu'on appelle la cultura promiscua, la culture en mélange, qui associe une strate herbacée, des céréales, le blé, et une strate arbustive, arbres fruitiers, vignes, ce qui est une sorte d'ancêtre de l'agroforesterie de nos jours. Et ce paysage rural, on le voit, on le découvre dans les magnifiques documents fonciers du XVIe siècle qu'on appelle des cabrei. Je vous montre quelques images. Vous voyez donc ce principe de cultura promiscua dans le paysage agraire. J'ai oublié que j'avais ce dernier exemple, l'Ambrogiana, toujours la vue d'Outhens, et c'est cet ensemble de ragnaï, qui sont donc très régulières, mais parce que cette régularité, évidemment, va avoir une répercussion esthétique, mais elle a fondamentalement une justification pratique. Et ce type d'aménagement va se diffuser à Rome au XVIIe siècle, comme à la Villa Borghese, donc aménagée pour le cardinal Scipione Borghese dans les années 1620-1630. Vous avez ici tout cet ensemble qui est une immense ragnaia. Dernier point, en guise de conclusion, comment aujourd'hui on en vient, depuis les années 2010, à voir l'émergence d'une histoire environnementale des jardins. Je prendrai quelques repères, notamment le magnifique livre de Mark Laird, A Natural History of English Gardening, en 2015, qui prend en compte le climat, qui prend en compte les animaux, les papillons notamment, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les non-humains dans les sciences humaines et sociales, et sur lesquels on raisonne en termes de relations entre humains et non-humains. Histoire environnementale qui est théorisée en France par Grégory Quenet en 2014 dans son livre « Qu'est-ce que l'histoire environnementale ?» est suivie l'année suivante par un essai pratique d'histoire des jardins et du paysage qui s'intitule « Versailles, une histoire naturelle », qui est un travail à l'échelle du Grand Parc, un Grand Parc que l'on connaissait beaucoup mieux par le travail de Vincent Marotto, publié en 2000, à l'occasion du centenaire de la naissance de Le Nôtre, Versailles, le roi et son domaine, un ensemble territorial considérable qui n'a cessé de s'agrandir au cours du règne de Louis XIV et de Louis XV et Louis XVI. Et je prendrai juste cette carte pour vous montrer, donc, vous devinez ici le tout petit, le Grand Canal et le parc de Versailles et la ville. Et vous voyez ici l'emprise avec le mur de cette entité territoriale, une entité dans laquelle cohabitent les humains et les non-humains, comme nous le montre Grégory Quenet, avec des conflits d'intérêts entre, par exemple, les fermiers qui voudraient cultiver des parcelles et le pouvoir royal qui veut, évidemment, que soit conservé le plus possible le gibier. Et le gibier, évidemment, il porte atteinte aux cultures. Et donc, sans arrêt, on voit, notamment quand on s'intéresse aux lettres de doléances qui précède immédiatement la Révolution française, que les habitants de ce grand parc, qui comportait des zones agricoles et des villages, se plaignent de ce problème d'envahissement par le gibier. Donc des animaux, des plantes, des humains qui cohabitent dans un ensemble, dans une sorte d'éco-anthroposystème. Et puis, il y a deux ans, le livre de... J'ai du mal à mémoriser son nom, Yann... Sinevecchi, voilà. Paris en ses jardins, nature et culture au XVIIIe siècle, qui est une étude des jardins publics parisiens au cours du XVIIIe siècle, qui là aussi montre des conflits d'acteurs. On est loin de cette vision à la Hegel qu'on avait chez Barlow Rogers, qui voit dans une culture et une société donnée à un moment donné une seule vision du monde. En fait, il faut comprendre comment l'histoire de l'environnemental
dérive en grande partie de l'histoire culturelle, qui est une histoire avant tout des représentations, qui considère qu'il peut y avoir évidemment des représentations antagonistes au sein d'une même culture. C'est une histoire sociale, fondamentalement. Et puis, tout frais, publié la fin de l'année dernière, le numéro de la revue 18e siècle sur climat et environnement, dans lequel vous pouvez lire notamment un très bel article de Laurent Châtel qui s'appelle « La main invisible, esthétique et attention environnementale dans les jardins en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle », qui propose une relecture de l'avènement des jardins modernes. Il explique que le terme pittoresque est un terme tardif qui pose problème. Donc ces jardins modernes tels qu'ils sont théorisés à partir des années 1790 par un certain nombre d'intellectuels anglais, qu'on a vu longtemps comme un mouvement nationaliste d'affirmation d'une certaine anglicité du paysage par rapport aux grands modèles hollandais et français, mais dans lequel il faut voir, explique Laurent Châtel, une attention à l'environnement qui est l'héritière des sciences britanniques de cette époque. Avec donc une sorte d'idéal qui est celui de la wildness, du sauvage, et cet idéal d'une main invisible. Il faut, comme le dit Pope, écouter le génie du lieu, il faut prêter attention aux potentialités du site. Idée que l'on retrouve dans ce livre, qui est à la fois un livre d'histoire et un livre de théorie des jardins, proposé par Louisa Jones l'an dernier, « Le jardin ensauvagé, prendre part à la dynamique du vivant ». Pour conclure, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le fait que les jardins ne sont pas simplement de l'art et ne sont pas simplement le fait de ce qu'on pourrait appeler les civilisations paysagères ou proto-paysagères, comme le dirait Augustin Berg, telles que l'Occident, la Chine ou le Japon. C'est ce que montre le travail d'un anthropologue comme Philippe Descola dans sa thèse « La nature domestique, symbolisme et praxis dans l'écologie des Atchoirs » ou le livre qui est tiré de cette expérience doctorale, le magnifique livre dans la collection d'Interhumaine chez Plon, « Les lances du crépuscule ». Philippe Descola a passé plusieurs années chez les Atchoirs avec son épouse Christine Taylor, sa compagne, à étudier les pratiques et les représentations environnementales de cette population qu'on appelle parfois les Jivaro, donc les Atchoirs, et s'est intéressé à leurs jardins. Des jardins qu'un œil non averti ne sait pas identifier par rapport à la forêt environnante. Mais une fois qu'on prête attention et qu'on comprend quelles sont les pratiques à l'œuvre, en discutant évidemment, c'est tout le fruit de ce qu'on appelle l'observation participante en ethnologie auprès des habitants, on décèle une organisation très structurée de ces espaces autour de la maison, vous voyez, avec différentes cultures, notamment la culture du manioc. Ce sont des espaces qui sont cultivés essentiellement par les femmes. Et la multiplication des plantes par voie végétative, ce sont des tubercules, ne requiert guère d'efforts. Et la principale activité quotidienne d'entretien consiste en un désherbage minutieux. Il y a un vrai effort pour rendre ces parcelles propres, entre guillemets, qui manifeste donc un souci de maîtrise et d'apparence ordonnée. Descola écrit « Pas une brindille, pas une touffe d'herbe ne doivent déparer ce lieu policier qui s'affirme, sans doute plus que la maison, comme l'anti-forêt. » Donc nous ne voyons pas un jardin, mais les Atchoirs le voient comme l'anti-forêt. Puisque l'horticulture Atchoir implique un commerce direct et permanent avec Nunquay, l'esprit tutélaire des jardins, créatrice et mère des plantes cultivées qui possède généralement un wakan, c'est-à-dire une âme ou essence propre. Et la plantation s'accompagne de manifestations rituelles, en particulier pour le manioc, réputé sucer le sang des humains et de leur progéniture, dont on abreuve les boutures d'une eau rougie par le roucou. Une sorte d'analogie entre cette eau rougie et le sang qui permet de désarmer la potentialité néfaste du manioc. C'est au moyen de champs magiques, qu'on appelle des anentes, que les femmes communiquent avec les plantes pour leur enjoindre de prospérer et les identifier comme leurs propres enfants végétaux, en partageant leur tutelle avec Nunquay, désormais présentée comme leur mère adoptive.
relevant finalement d'une socialisation symbolique de la nature, ce qui est tout le jet du livre de Descola, La nature domestique, et son travail ultérieur, évidemment mené au sein de la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France, cette socialisation symbolique de la nature débouche sur une sorte de, je cite, de maternage consanguin qui est pratiqué par les femmes, tournure spécifique d'une sorte d'amitié respectueuse, comme le dirait l'un des maîtres à penser d'Escola, qui est Audricourt, ce grand ethnobotaniste. Et ce maternage consanguin s'oppose à la séduction affinale du gibier à laquelle les hommes recourent durant la chasse. Voilà, donc, pour finir, cette image de l'entretien des parcelles, de la culture du manioc, que j'ai envie de rapprocher d'une ultime définition du jardin, très belle, due à un écrivain qui a jardiné, qui avait un jardin, et qui a consacré à ce lieu l'ultime chapitre du Vent paraclet en 1977, Michel Tournier, qui écrit « Dès qu'on parle jardin, il convient de dépasser la géométrie plane et d'intégrer une troisième dimension à notre méditation. Car l'homme jardin par vocation creuse la terre et interroge le ciel. Pour bien posséder, il ne suffit pas de dessiner et de ratisser. Il faut connaître l'intime de l'humus et savoir la course des nuages. Mais il y a encore pour l'homme jardin une quatrième dimension, je veux dire métaphysique. » Merci de votre attention. De voir que tu utilises l'archéologie comme technique pour décrire l'histoire des jardins. On a hâte de voir le que sais-je. Moi, je retiens aussi les trois T, là, territoire, technique, qui finalement permettent d'aborder le jardin comme un patrimoine vivant aussi. Et puis ces dernières planches, là, qui sont très importantes. Est-ce que parmi vous, il y a des questions ou des remarques ou des compléments? Monique, tu veux nous dire quelque chose? Non. Non, d'accord. Non, mais c'est une partie de ma vie, hein, quand même. J'ai commencé à m'occuper des jardins. Non, tout simplement, c'est vrai que on vient de loin. Voilà. Donc, ça a été un long cheminement. Et puis, c'est une œuvre collective aussi. Enfin, c'est vrai que les archéologues sont arrivés à un certain moment. Il y a aussi ce que j'appelle l'histoire de la botanique appliquée au jardin, oui, c'est-à-dire pas une vision purement botanique, mais liée à une pratique. Bon. Il faut de l'eau dans les jardins. Oui, oui. Non, mais c'est il a fait un énorme résumé, et ça, on doit remercier Hervé d'avoir synthétisé tellement de temps de recherche. Et au niveau mondial, européen, chacun dans son monde a essayé d'avancer. Plus, ben là, je rentre du Mexique et j'ai ramené une revue où on voit vraiment maintenant une très très grande connaissance des jardins précolombiens qu'on connaissait mal. Et maintenant, les archéologues ont découvert, pareil, des pratiques agricoles et esthétiques liées aux grandes villes précolombiennes. Et c'est vraiment complètement original. Merci. Charles. Je voudrais vous remercier parce que je connaissais votre nom et vos livres, notamment celui que vous avez montré sur le tout petit pré-que sais-je. Et il y en a un autre sur les jardins d'Extrême-Orient qui est pas mal du tout dans la même collection. Et je trouve que, d'une certaine manière, j'ai envie... Je vous remercie beaucoup pour cette synthèse absolument brillantissime et qui est terriblement instructive pour nous.
Je viens de l'école du paysage de Versailles. Mon maître vient de sortir, et je le regrette, parce qu'il était là, Jacques Coulon. Et ce qui me frappe, c'est que finalement, même s'il y a des chapelles, même encore aujourd'hui, entre les chercheurs scientifiques et, disons, les maîtres d'œuvre qui, malgré tout, réfléchissent et sont pas forcément, peuvent être, entretenir une certaine concurrence avec ce monde académique, moi, ce qui me frappe, de ma petite expérience, c'est que finalement, il y a des convergences. C'est-à-dire que tout le monde est soumis au même mouvement du temps et au même zeitgeist évolutif à toute vitesse aujourd'hui. Et par exemple, nous comme vous, nous, les maîtres d'œuvre, qui avons une sorte, on va dire, de déficit de connaissances académique, on va dire, et un appétit et un vertige de cette connaissance, il faut le dire. Nous sommes, comme vous, confrontés à l'émergence de la conscience écologique. Or, on peut le dire, elle était bien moins présente il y a 25 ans, dans notre champ d'investigation, comme dans le nôtre. Et d'une certaine manière, cette orientation, cette manière de se retourner vers ça, aussi bien d'ailleurs que vers les cultural studies, qui sont une sorte de, aussi une nouveauté d'une certaine manière. C'est quelque chose qui nous amène à avoir des réactions symétriques. Par exemple, votre orientation vers la thématique, cet éloignement du strictement chronologique, c'est quelque chose que j'ai, moi, vu dans l'enseignement d'Alexandre Chemetov, par exemple, qui décidait d'enseigner la technique. En partant de la thématique, alors que c'était pas du tout comme ça avant. Et je trouve que c'est... alors, par ailleurs, je dis mes idées un peu dans le désordre, je suis désolé, c'est plus une question de stimulation qu'une vraie question. J'admire que vous ayez été, témoigné d'une pareille connaissance des langues. Et ce qui m'a frappé, c'est ce que vous avez dit sur cette dame allemande que je ne connaissais pas, qui était... bonne connaisseuse de la poétique anglaise. Ce qui me frappe, moi, c'est que le professeur Baridon, que vous avez pas beaucoup évoqué, mais qui a été très important pour mon propre apprentissage de la culture mondiale des jardins, on va dire, était aussi un angliciste. Et lui aussi, c'est par le biais de la connaissance de la littérature anglaise ancienne qu'il est venu au jardin. Et il m'avait expliqué, parce que j'ai eu le plaisir de le croiser, que c'était sa stupéfaction devant la curiosité inédite pour lui des Anglais du monde anglo-saxon vis-à-vis de l'Extrême-Orient, alors qu'il est quasi inexistant dans l'histoire des jardins français ou latins depuis toujours, qu'il l'avait orienté vers ce qu'il a fait, c'est-à-dire la recherche mondiale et, on va dire, oui, mondiale sur l'histoire des jardins. Je pense que, d'une certaine manière, vous êtes un bon continuateur de l'histoire à la Grimal, c'est-à-dire strictement occidentale. Je ne mets pas du tout... Je ne suis pas en train de jeter aucun anathème ou aucune vindicte. Je trouve que c'est très raisonnable de connaître très bien chez soi avant de s'adresser aux autres. Néanmoins, je suis convaincu que, avec mon camarade, qu'avec toi, on a eu la chance d'aller en Chine, on a eu la chance de voir le Yang Mingyuan en très mauvais état. J'ai personnellement eu la chance d'aller voir Shalimar au Pakistan. J'ai vu à quel point, ce que vous avez dit est absolument vrai, les efforts et les découvertes de l'archéologie sont absolument hyper importants pour renouveler le regard. Mais quand même, j'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas très important de considérer qu'aujourd'hui, la mondialisation est telle qu'on ne peut plus regarder l'histoire des jardins sans parler aussi de la tradition extrême-orientale. Mmh. Et dans le vote que sais-je, est-ce que vous lui laisserez une place ou pas? Absolument. J'ai eu la chance de passer un mois à Suzhou,
Donc, de visiter en détail, d'arpenter longuement ces jardins-là. Et puis de retourner en Chine un peu plus tard, dans le Sichuan notamment. Et alors, j'ai pas encore eu le bonheur d'aller au Japon, mais je m'intéresse depuis longtemps aux jardins japonais, au bouddhisme zen, etc. Donc, évidemment, ces formes-là, fortes d'une très longue tradition, seront convoquées dans le livre. Mais le livre ne va pas avoir, c'est ce que j'essaie de vous suggérer, un tel que j'imagine pour l'instant, je suis en train de l'écrire, ne va pas avoir une organisation chronologique ou géographique, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais une organisation thématique. Des thèmes tels que le sauvage, le rôle du jardinier, la place de l'eau, le végétal. Et pour rebondir sur la première partie de votre intervention, je dirais que ça me fait beaucoup penser à un mot d'un grand historien qui est Marc Bloch, qui disait, parce que c'est vrai qu'on a ces va-et-vient constants entre la pratique conceptuelle, le projet et l'historiographie, et donc entre les théoriciens et les praticiens, et donc aussi entre l'aujourd'hui et le demain et puis l'hier. Ce que disait Marc Bloch, c'est qu'on ne peut pas comprendre le présent sans connaître le passé, sans s'intéresser au passé. On ne peut pas comprendre le passé sans s'intéresser au présent. Donc, une sorte de dialectique chiasmatique qui est fondamentale et qui est évidemment nourricière pour le travail d'un paysagiste, puisqu'un paysagiste ne s'intéresse pas forcément uniquement à l'histoire de son propre métier, de sa propre pratique, mais doit forcément s'intéresser à l'histoire des lieux sur lesquels il est amené à intervenir. Donc l'histoire a une dimension fondamentale dans le projet, bien sûr. Ici. Oui, bonjour. Alors c'est formidable parce que la réponse est arrivée avant la question. C'est-à-dire que la question que je vais vous poser, vous venez juste d'y répondre. La plupart des ouvrages que vous avez présentés montrent... des événements par période, le jardin de la Renaissance, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a comme approche qui soit au contraire transversale? Vous venez de répondre un peu, une approche environnementale, une approche sur la notion de pastiche ou sur la notion de palimpseste, ou des approches qui traverseraient les époques sans distinguer, enfin en distinguant, mais sans s'attacher à dire la Renaissance, puis l'âge classique, puis l'âge classique, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous citer donc comme approche transversale? Peut-être pas forcément sur les jardins, mais un des modèles qui me fait avancer et qui m'a donné vraiment la conviction que c'était jouable, c'est le Que sais-je sur l'histoire de l'alimentation, qui a été publié il y a un an ou deux. C'est des questions intéressantes par rapport à nos préoccupations sur les jardins, évidemment. Et c'est un Que sais-je qui est thématique, qui, à chaque fois, a des chapitres qui sont sur les grandes questions, l'approvisionnement, la production agraire, les marchés, etc. Et à chaque fois, il y a un cheminement diachronique qui convoque toutes les aires culturelles mondiales. Et c'est un petit peu ce modèle que j'ai en tête. Je ne sais pas si j'y arriverai, c'est assez ambitieux, évidemment, c'est assez acrobatique, mais c'est ce que je compte faire pour l'histoire des jardins. Des jardins historiques. Et j'aimerais t'interroger sur maintenant une nouvelle complication, on va dire, du changement climatique et de comment on peut réfléchir à cette préservation des jardins historiques ou par rapport justement au matériel vivant, il va y avoir forcément des changements. Est-ce qu'il y a déjà des réflexions en cours là-dessus ? Oui. Les Anglais ont commencé très tôt à réfléchir sur la question, notamment un historien qui s'appelle Richard Bisgrove, qui a été chargé dans les années 2000, si ma mémoire est bonne, par le National Trust, de faire une étude, il a fait un rapport sur changement climatique et conservation historique des jardins. Et je l'avais invité à contribuer au numéro
des défis climatiques des carnets du paysage, qui a maintenant pas mal d'années, qui a dû paraître en 2008. Donc il y a cette première réflexion. Et aujourd'hui, c'est fondamental, évidemment. Alors ça pose tout un tas de questions. L'école de Calamont, oui, bien sûr, Monique, tu as raison. Oui. Donc il y a des réflexions qui sont déjà proposées. Et c'est une question, c'est un ensemble de problématiques qui, évidemment, est inévitable aujourd'hui. Et qui oblige la convocation de sachants historiens, de sachants hydrologues, de sachants écologues, etc. Là, on retrouve aussi, ce n'est pas que l'entrée historique ou patrimoniale, c'est effectivement tout un système. Bien sûr. Qui rejoint un peu ta thèse sur plutôt l'approche thématique pour comprendre comment on peut préserver. Un mot que je n'ai pas prononcé, mais qui est en filigrane de tout ce propos, c'est l'interdisciplinarité, bien sûr, ou même la transdisciplinarité aujourd'hui. Très bien, c'est pas mal de finir sur ce mot. Merci beaucoup. Et puis, la prochaine conf, l'an prochain, ce sera encore avec des historiens, autour du livre qui s'appelle L'histoire des luttes environnementales. Si tu connais ce bouquin, qui est très illustré. Steve Agimon et Charles Matisse. Charles-François Matisse. Oui, je connais. Charles-François Matisse, qui sont aussi historiens, qui viendront présenter ce bouquin. Voilà. Dans la continuité de ta conférence, merci beaucoup. Merci à vous. Ben, merci.